Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Madden NFL 2020, un jeu édité et développé par Electronic Arts. La sortie française, c'est le 2 août 2019. Le type, c'est un jeu de sport, de foot US, vous l'aurez compris. C'est jouable en solo, mais aussi en multi, que ce soit en local ou en multijoueur. Nous sommes sur PlayStation 4, mais le jeu est également disponible sur Xbox One et sur PC. Tout est dit, voilà. Alors, je tiens à préciser, comme tous les ans, je fais une petite vidéo découverte sur le jeu pour que vous puissiez voir comment il est. En plus, je le reçois un petit peu en avance. Du coup, vous pouvez voir tout ça, etc. Après, c'est pas une vidéo d'un mec qui sait bien jouer. Voilà, c'est en mode tranquillou. On va jouer en rookie, c'est-à-dire en facile, parce que je suis pas forcément très très bon. Après, comme d'habitude, si vous avez des conseils à me donner pour m'améliorer, n'hésitez surtout pas dans les commentaires de me dire quelle est votre équipe préférée de foot US. Et puis, on est parti. Je vous montre vite fait les modes de jeu. Et après, on commence pour le match qui m'était proposé par un petit loup sur Discord, parce que nous avons un Discord bien dans la description. Et en fait, je dis, il y a une personne qui s'y connaît en foot US. Si oui, vous me proposez quoi comme match? Il m'a proposé les Falcons contre les Broncos. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc, n'hésitez pas à rejoindre si vous en avez envie. Du coup, on a le mode Superstar X-Factors, le mode exhibition. On va faire plein de matchs en ligne ou en solo pour faire les matchs qui sont joués avant, après, etc. Le mode Ultimate Team, je pense que vous connaissez tous. Le mode franchise, Face of the Franchise, ça, je ne sais pas trop ce que c'est pour vous dire. Après, le seul truc que je trouve dommage pour les Madden, c'est que ce soit uniquement en anglais. Ça serait bien que ce soit en français un jour. Mais bon, là, les options, si vous le customisez, par exemple, moi, j'ai enlevé les musiques, parce que vous savez tous que sur YouTube, les droits d'auteur, etc., c'est un petit peu compliqué. Et là, nous, ce qu'on a envie de faire, on pourrait s'entraîner au skill, mais on va jouer maintenant. Après, si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu, avant que le jeu sorte officiellement, le 2, vous me dites en commentaire. Vous me dites, ah bah tiens, on aimerait bien un match entre ces deux équipes-là. Et si vous êtes vraiment nombreux à demander ça, je le fais. Que généralement, vous êtes 2 ou 3, c'est assez peu, mais si vous êtes beaucoup plus nombreux, moi ça me ferait plaisir de vous faire plaisir. Du coup, pas de souci. Voilà, comme je vous ai dit, on peut faire les matchs que le jeu nous propose, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, mais nous ce qu'on va faire, c'est customiser une partie. Et là je vous montre toutes les équipes. Voilà, on va toutes les passer. Je vais vous laisser un petit peu de musique. It's the coach. Welcome to the special Saturday edition of the NFL on EA Sports. Straight ahead, we'll see the veteran Joe Flacco and his new team, the Denver Broncos, as they match up with a former league MVP, Matt Ryan, and the Atlanta Falcons. I'll see you again with scores and updates at halftime. But for now, it's my distinct pleasure to hand things over to our broadcast team. It's Brandon Goddard and Charles Davis. Gentlemen. All right, coach, we are pleased as always to be bringing you coverage of the National Football League on EA Sports. A moment ago, here was the scene, the Falcons coming out from their tunnel to the roar of all the folks here in Atlanta. We're ready for football as these Falcons get set to match up with the Denver Broncos. With you from the booth, Brandon Gordon and Charles Davis. CDR matchup here. A couple of teams last year that were really pretty similar, both under five. On va rester au milieu, je pense. C'est la meilleure des choses à faire. C'est parti, les petits loups. Je tiens à vous préciser une chose, c'est que j'ai réduit le temps des cartons. Généralement, chaque carton est de 6 minutes. Là, je l'ai mis à 4 minutes parce que c'est un petit peu trop long. Mais comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres matchs pour lundi ou pour mardi avant que le jeu sorte officiellement. Et je me ferai un plaisir de faire des matchs que vous voudriez avant que la vidéo, enfin, avant que le jeu sorte officiellement. Pas de problème par rapport à ça. Pas de soucis. Allez, c'est bon. Hop là, prends ton temps. Non mais non, on a reculé. Mais non. Il est tellement parti que... Ouais. Après, comme je vous l'ai dit, le jeu c'est en facile, du coup voilà, ça va pas être trop compliqué, mais le but de cette vidéo c'est pas de vous dire ah regardez, je suis le meilleur que tout soit, c'est tout pour montrer les mécaniques de gameplay pour ceux qui jouent beaucoup au jeu. Oh là là, quelle erreur. Mauvais lancer, je pense que là on va partir sur une course. Même pas, j'appuie sur carré,
J'ai fait une grosse erreur, c'est pas grave. Vous savez quoi? J'ai envie de faire confiance à Jones, qui est à ma gauche. Il est bien parti. On y va. Allez, allez. Oh, c'est même pas. Oh, oui, c'est lui. Vas-y, vas-y. Oh my god. Le numéro 80, il est trop chaud, c'est Hooper. Et hop là, les gars, bien joué. Oh bah, j'avoue. En fait, il... c'est vrai que le celui que j'avais visé était trop en arrière, il aurait jamais pu la prendre. Hein. Voilà. On n'est pas dans la Shield 21. Et l'autre, en fait, il a coupé la trajectoire. Vraiment magnifique. Après, ils ont essayé de me prendre, mais ça n'a pas passé. Franchement, bah, GG à lui. On tente le coup de pied. Ça, après, c'est pas bien compliqué si vous savez gérer. Hop là, ceci et cela. Voilà. Bon, 7-0, ça commence bien. Après, on n'est pas à l'abri de petites erreurs qu'on va peut-être faire durant cette frappe, pardon, excusez-moi. Je suis un peu troublé, hein. Moi, le premier, parce que j'étais sûr qu'ils allaient faire une interception. J'étais sûr et certain. Et là, non. Pourquoi pas? Après, je trouve le jeu vraiment bien fait, hein. Il est très très beau. En plus, ça vous fera sans doute plaisir, parce que le jeu, je mettrai la qualité en 4K. Donc, si vous voulez regarder le jeu de toute beauté, n'hésitez pas. Vous allez être conquis. Vous allez voir ce que je vois moi en fait. Et c'est assez beau. Alors attendez. Ok. Vas-y, pousse-le. Oh, voilà. On n'a pas laissé le temps. Voilà, il doit tourner autour. Lui, ça se voit, c'est. Voilà, Superman. Il l'a montré tout de suite. Et il remet sa tenue de travail. D'accord. Ça peut le faire, on y va. Et je m'excuse aussi un petit peu si vous entendez le bruit des touches. J'essaie de faire le maximum. Oh, oh là là, le coup d'épaule qu'il a mis. Est-ce qu'on peut avoir un ralenti là? Le 54, il a mis un de ses coups. Ah d'accord. Bon, il montre les joueurs, ça c'est bien. C'est une bonne chose. Mais moi, ce que je voulais, c'est le ralenti. Quand tu veux quelque chose, je les ai fait. Non, tu n'auras pas ce que tu veux. Là, on va essayer de passer le numéro 30. Oh, même pas. Allez. Oh, bien joué. Jolie passe. Comme quoi, rien n'est prévu à l'avance. Hein. Il passe vite marqué et tout. Bon, comme je vous l'ai dit en rookie, c'est assez, assez généreux. Hop là. Allez, allez. Oh, il m'a taclé l'autre. Oh, c'est à mon tour. Vas-y, voilà. C'est bien. Bien joué, les gars. On va tenter le carré. Après, je connais pas trop les formations, mais ce qui me suggère généralement, c'est des bonnes choses. Voilà, allez, allez. Ah, ah mais le 50. Non, là, c'était le 45. Et ils ont la dalle. Ils ont faim. J'avoue, tu te fais plaquer par des mecs comme ça. Ça l'a bien fait mal. Hein. C'est pour ça qu'on comprend après les traumatismes qu'ils peuvent avoir. Non, 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 non. J'ai tout fait pour essayer de le bloquer, de le mettre en une petite pression. C'est sûr que quand tu vois un mec débouler comme ça sur toi, bah ton lancer il est pas aussi serein. T'as beau être entraîné. Allez, on va passer au 72. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on est déjà à la fin du carton. Donc j'ai réduit le carton, mais peut-être que j'aurais peut-être pas dû. Je sais pas vous, mais c'est passé ultra vite. Je pensais que ça allait être long, etc., que j'allais m'ennuyer. Vous avez compris? Mais en fait, pas du tout. C'est vrai qu'à l'époque, les jeux de football US, si tu connaissais pas, c'était assez difficile de te mettre dedans parce que bah, c'était long, voilà, fallait faire. Maintenant, ils ont vraiment compris. Ils ont mis un système, d'ailleurs, on est sur ce système-là, qui s'appelle le mode arcade. Parce que c'est soit le mode arcade, soit le mode, entre guillemets, réaliste. Et là, on est sur le mode arcade, qui rend la chose un peu plus simple, voilà. C'est moins technique. Et ça se voit. Et c'est mieux pour les gens comme moi, du coup, ça cible des gens qui savent pas forcément toutes les règles, etc. Et ben. Oh non. Ah, j'avoue, la passe, il l'a fait un petit peu trop rapidement, je pense. Il aurait dû attendre une seconde. Ah ouais. Mon petit flaco. Ah, il va tenter la frappe. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah. On avait, vous voyez, la touche carré. Ah bah d'accord. Si j'ai fait carré, ça, il aurait sauté. On aurait essayé de le bloquer. C'est dommage. Il avait l'occasion de marquer quelques points. Là, on va essayer de perforer vers la gauche.
avec Freeman. Enfin, je crois que c'est Freeman qui part. Ouais. Voilà, hop, hop. Petite feinte. En même temps, ouais. Je veux bien esquiver un, mais après, c'est... Et là, on voit le travail des coéquipiers qui ont fait vraiment un beau... qui m'ont laissé une belle ouverture. Ça me rappelle mes années où je regardais High Shield 21. Franchement, c'est ça qui m'a appris un peu les règles du football US, pardon. Du mal à parler. Allez, on va tenter la longue passe. Vas-y, 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 vas-y. C'est parti. Je l'ai poussé. Du coup, il n'a pas pu la récupérer. En fait, c'est que je ne connais pas la touche. S'il y a une touche à faire pour l'attraper. Après, je tente les passes les plus complexes. Là, je vais taper le carré avec Jones. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Oh, bien joué. Interception du 26. Ouais, là, j'avoue. On va taper middle high low. Et je pense que... Voilà. Hop. Non, mais non. Oh là là. C'était bien joué, mais... Ah, je suis déçu. Je suis déçu de moi. Non. On va tenter un run. Voilà. C'est parti. Hop. Je joue avec le feu, là. Mais c'est pas grave. Oui, vas-y. Hop. Ils m'ont dit de faire rond, j'ai fait rond. En fait, c'est juste pour expliquer les règles. Enfin, les mouvements. J'ai pas fait gaffe. Mais voilà. Au moins, ce qu'on a fait, c'est une bonne chose. On peut tenter le touchdown. Ok. C'est bon, hein. La minute warning, on a compris. On parle aux coéquipiers, etc. On va tenter. Entendez celle-là. Celle-là, elle me plaît qu'il y en a un. C'est celui qui est avec Croix, Ridley, à ma droite. Allez, Ridley. C'est bon, je t'ai vu. Vas-y. Oh non. Je suis sûr qu'il y a une touche. À chaque fois, j'ai une touche pour réceptionner, mais ça veut pas. C'est pas grave. Second essai. On va essayer de passer par Freeman. Vas-y, Freeman. Oui, bien joué, Freeman. Je me suis dit peut-être que le numéro 81 allait pouvoir aussi la récupérer, qu'ils étaient deux sur la même position. Et là, vas-y, on va taper le run. J'avoue que le run, c'est beaucoup plus simple. Vous êtes prêts? Let's go. C'est parti. Hop là, esquive. Oh là, ah mais non. C'est compliqué de parforer comme ça. Celle-là, c'est la bonne. Alors, qui est-ce qu'on va prendre? Vas-y, mais je vais me prendre Riley. Je suis un fou. Oh! C'est qui tout double, hein? Franchement. Alors, on va quand même tenter une nouvelle passe. Qui est-ce qu'on va prendre? Oh, je vais prendre lui, tiens. Vas-y. J'arrêtais pas d'appuyer, hein. Pour ceux qui se demandent. Malheureusement, on est toujours à 7-0. Là, ils ont bien fait leur défense. Hop. Ah bon. Ça devrait être ok. Voilà. C'est parfait. C'est placé au cas où. C'est pas négligent ce qu'on vient de faire. S'ils font un touchdown, ils vont pas être égalité. On va frapper à droite. On va frapper plus à droite qu'il le faut. Voilà. Là, on met la bonne patate. Et on revient. Parfait. Avec cette magnifique vue. Et on y va, les gars, on y va. Oh, je vais le plaquer. Oh, il m'a mis une. Oh, il a mis une deuxième feinte. La troisième. Par contre, les caméras qui filment tout sauf l'action, c'est un peu dommage. Enfin, un peu. Je parle dans le. Au niveau du terrain à côté là. Ouais. Allez, McKinley. Allez, tu peux le passer. Oh, bah, l'autre là-haut, il s'était cru à la plage. Il a fait une de ses glissades. D'accord. J'ai un petit peu qui veut faire quoi. Nous aussi, on va le faire tranquillement. Attention. Voilà. Ah, mais. Le côté droit, là, c'est pas forcément bon. Après, je laisse mes coéquipiers
c'est taper la défense. Hein. Moi, j'essaie vraiment de passer autant que je peux. Oh non! Mais genre... Mais... J'ai dû me reprendre à 3 fois. Et encore même après 3 fois, il a quand même pu lancer. Alors là, moi je vous le dis, on va faire une belle course. Je sais pas pourquoi. Je le sens bien. Vous êtes prêts? La défense, je compte sur vous. Merci numéro 22. Voilà, allez, vas-y, vas-y. Ouh, tu t'esquives. Ouh, vas-y, vas-y, j'y vais. Quelle course! Une petite danse? Bon, il n'y a pas de quoi se la péter autre. Hein. Comme je l'ai dit, on est en facile. Le but, c'est de vous montrer un petit peu comment on peut s'amuser dans le jeu. C'est clair qu'en mode normal, ce que je viens de faire, je me serais plaqué au sol 53 fois, à peu près. Mais faut bien commencer à un niveau. Et là, j'avais pas envie de faire un truc trop compliqué pour moi. Mais je pense que si j'avais commencé en normal, le score serait comme ça, mais inversement. Tu vois, on va taper à gauche pour une fois. Allez, vas-y. Hop là. Si le jeu c'était que ça, bah, ça serait bien pour moi, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Bien joué. Heureusement que l'ordinateur est là aussi pour le plaquage. Parce que moi je fais tout sauf les bonnes choses. On va faire celui avec carré. D'accord, lui va vouloir passer comme ça. Je pense qu'on peut le bloquer et je pense que je vais le plaquer. Bon, allez bien. Ouf. J'ai failli, hein. On a fait le découpé en mode cisaille. Sauf que le numéro 27, il l'a eu avant moi. Ou j'étais peut-être en retard aussi. Après, c'est un peu bizarre parce que j'avais une marque. Comme si j'étais en mode on fire. J'avais cette impression. Bon. On est à la mi-temps. Bon, bah, on retape encore. Les buts, on aurait pu mettre un. Non, on peut mettre un but là. Hein. Je vous le dis, enfin bon, on est quand même loin, mais. Je crois qu'il y a des parfums qui peuvent taper aussi loin. Je pense que c'est réalisable. Après, il faut être sacrément doué. Vous me direz en commentaire la distance où j'étais. Je crois qu'on était à 40 mètres ou à peu près. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent. Après, c'était pas forcément légal de faire ça dans ce temps jeu. Avec Claiborne. Voilà. J'espère que je vais pas prendre une pénalité parce que je suis parti trop tôt. Non, tout va bien. Que oui, forcément, si vous partez trop tôt, la pénalité vous aurez. Allez, on est prêt. Ah, il prend tout son temps. Il joue sur mes nerfs. Bien joué. Faut pas le laisser. Bon, là ils vont balancer. Hein. Ils ont pas le choix. À part s'ils tentent. Moi j'aurais dit qu'ils tentent. Qu'ils vont tenter là. Non. Non. Voilà. Oh oui, récupération. Bien joué. Bien joué. Ça, c'est bien, ça. Mais est-ce que c'est compté comme récupération que... Bon, la caméra, etc., tout a dit oui. Mais... Attention, attends. Voyons voir ce qui s'est passé. Hop. Il n'est pas sorti. Lui, il l'a bien tapé. Et ouais, il est tombé au sol, mais il l'a pas récupéré. Ouais. Après, je connais pas parfaitement les règles pour dire ça. Donc, on l'a bien récupéré. D'accord. En plus, on l'a récupéré, mais d'une très belle façon. Je pense que Ridley, lui, il est chaud pour taper son touchdown. Vas-y, Ridley. Oh non. Bien joué quand même. Belle défense. On va faire un bench. On va faire la face à Sanou. Vas-y. Oh non. C'est pas bon. Alors, on peut encore une passe. Voilà, je pense que pour Freeman, c'est bon. Freeman, c'est mon gars sûr. Je sais que sur lui... Ouf. Ouais, qu'est-ce que je vous ai dit? Freeman, c'est mon gars sûr. Le mec, c'est Superman. C'est tout ce que tu veux. Il saute, il attrape, il glisse, il se faufile partout. Bon, il a pris un mauvais contact, là, quand même. Mais c'est très bien.
Ouais. On va tenter une petite passe. Toute mignonnette. Bien joué. Voilà. Ça sert à rien de vous aller trop vite. Alors c'est bon, bagarrez-vous pas. C'est sa première réception, et pas des moindres. Et si on tentait un... Si on tentait un slam, il me conseille de passer ici. On va passer là, ça va pas être évident, mais on va le faire. Allez, vas-y. Ouf ! Oh là là ! Oh ce qu'il lui a mis là ! S'il vous plaît, monsieur l'arbitre, j'aimerais une petite caméra. Ce qui lui a fait un saut. Ah, hop là ! Saut de mouton ! Et je vous le dis, de vous à moi, je vais rien faire. Hein. C'est le jeu qui l'a fait de lui-même. C'était magnifique. Après, t'as même des fois qui font des saltos, etc. Comme quoi, c'est des bourrins, tout ce que vous voulez, mais ils sont aussi bien athlétiques. Waouh. Mal articulé, moi. C'est bien pour l'instant. On continue sur notre lancée de limite un touchdown par carton. Mais on peut s'en prendre. Hein. Il nous reste 2 minutes pour le troisième carton d'ailleurs. Ça se joue à très peu de choses. Ok. Bien joué. On va tenter la cover à 6. Je sais pas ce que c'est, mais je me dis que c'est une bonne chose. Oh. L'autre il a l'éclair, c'est-à-dire que lui il est chaud bouillant. C'est comme quand elle avait la balle enflammée dans NBA Jam, pour ceux qui connaissent. Tu savais que tous les lancers que tu vas faire, ça va rentrer. On se déplace un tout petit peu pour essayer. Oh ouais, d'accord, on s'est fait manger dès le début. En même temps, comment tu veux passer? T'as 3 mecs devant toi. Ok, tu dis par chance, tu vas en passer un, y a pas de souci. Mais le reste, on est parti pour être la meilleure défense. Et on réceptionne. Et on y va. Hop là. Allez, venez les gars. Ouais, c'est King Kong lui. Hein. C'est beau de faire une interception, pardon. Elle était pas évidente. Hein. C'est pas du tout évidente. On a réussi. Enfin, comme je vous dis, on s'en fout des points. C'est vraiment pour la détente. Les prochains matchs que vous me proposerez, s'il y en a d'autres, on les fera en normal et là, ce sera plus serré. On va taper kick-off left, s'il vous plaît. C'est bon. Encore une fois, une frappe surpuissante. Oh bah, c'est rare que ça arrive ça. D'accord. Mais en fait c'est une feinte. Hein. C'est une feinte pour qu'il pense qu'il puisse passer. Et bah non. On va essayer de leur laisser aucun point. Ouais, allez-y les gars. On peut le faire. Allez, la puissance. Wow, c'est joli. Mais est-ce qu'elle est passée? Ouais, je pense que oui. Je me dis s'il était tombé au sol bien avant. Allez les gars, je vous paye un petit Subway. Voilà, comme ça qu'il faut les motiver. Même si c'était pas eux, je pense que j'étais dessus. Alors, tiens, c'est quoi ça, Fireman? Ok. Troisième carton fini. On est déjà au quatrième. Franchement, à jouer, ça... On va vraiment pas le temps passer. Mais c'est bien que j'ai mis 4 minutes parce que c'est vrai. Au début ça me paraissait vite, mais quand il y a beaucoup de coupures. Allez! On lui a laissé le temps là. Voilà. Je dis s'il réussissait pas son lancer. Je me suis battu contre 2 gars. Ah ouais, non, j'ai fait une erreur. Pardon. Oui, je sais, j'ai appuyé. Voilà, je leur donne en plus, voilà. C'est ça. De toute façon, il faut l'accepter. On n'a pas d'autre choix. Et comme je disais, on n'est pas sur NHL. On peut pas poser les gants et se bastonner directement. Non, voilà.
Ok, ils ont pris quelques mètres. Mais il faut leur laisser à aucun moment l'occasion de mettre un touchdown. Vous êtes prêts? Zut. J'ai trompé le personnage. C'est une belle passe. Et là, c'est la triangulation. Le triple finisher, comme on appelle dans le jargon. Nous l'avons découpé. Mais après, lui, il est tellement content d'avoir réussi ce qu'il voulait. Ah ben, voilà, vous avez vu, j'avais pris le numéro 20, il me semble, ou le 22. Et je tapais une défense. Voilà, j'ai essayé de défendre, pardon, excusez-moi. J'ai essayé de défendre un petit peu plus haut, mais... Ah, j'aurais peut-être dû... Je la sens mal. Rien que pour leur fierté, pardon. Putain, vraiment, j'ai du mal à parler. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour marquer un touchdown. Rien que pour dire, voilà, bon, on a perdu. Mais quand même, un petit peu comme le Real Madrid contre Real Madrid. Ils ont tellement mis une rouste au Real que... Oui, voilà, on avait passé ce petit... hop, on est bon. Vous êtes prêts? Celle-ci, il faut les... Alors, de toute façon, ils vont tenter le coup de pied. Je me dis que quoi qu'il arrive, ils vont à tout prix mettre des points. Moi, si j'étais vous, les gars... D'accord. Mais vraiment, si j'étais vous, je tenterais même pas le coup de pied. Je tenterais de faire le touchdown. Après, vous faites comme vous voulez. Mais c'est quand même mieux de mettre un touchdown que un petit coup de pied. Allez. Bien joué. Ça, c'est mon gars, ça. Tout le monde, c'est mon gars. Allez, dernière solution. On y va. Non. On lui a laissé. C'est pas bien, ça. Il tape la cuisse. Bah ouais, les gars. Sur la fin, on s'est planté. Comme quoi, faut vraiment pas se relâcher. Voilà. Faut défendre jusqu'au dernier mètre. Ah, c'est... Ce dernier carton, il aurait été plus intéressant en termes de... on va dire, rapport de force entre les deux équipes. Ah, c'est possible de faire ça? Non, c'est pas possible, attends. Il l'a fait parce qu'il a plus rien d'autre à faire. Voilà. Je vous dis, s'il tire à la main et qu'il la met, mais c'est pas possible. Je vous dis, je suis pas fou. Oh non, mais non, voilà. Voilà. Patrick, t'as osé faire ça. Franchement, c'est pas cool. Oh, c'est bon, là. Je passe. Ah, je suis dégoûté. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dégoûté. Moi qui voulais rester avec un score vierge. Et les réussissent. Voilà, bien joué. Bon, au moins, ils auront marqué 7 points sur la fin. Après, qui sait? On peut s'en prendre d'autres. Faut faire attention. Une petite récupération de balle proche de mon côté, enfin de mon embut. Allez, là on est sur bonne escorte. Hop. Vas-y. Bien joué. On aurait pu faire mieux. C'est pas mauvais. Alors là, qu'est-ce qu'on nous propose? On va tenter la passe. Je trouve que la passe est... Je sais pas, je préfère. Ah, tu peux le faire. Bien joué. Mais non. T'as eu trois chances pour que ça passe. C'est quoi là? Tellement de possibilités. Voilà. Je t'en peux. Est-ce qu'il a glissé? Il a glissé. Ah non, zut. Je suis trompé de ce que je voulais faire. Non, il a glissé. Allez, vas-y. Mais il a glissé, le pauvre. C'est pas de sa faute.
Bon, c'est bon, on est à la fin du match, il est fatigué. Ah, là on va tenter une frappe de... Ah oui, mais il pourra pas tirer aussi. Hein. Bon, c'est pas grave, pour le kiff. Ah bah... D'accord. J'ai même pas eu le temps, c'est pas grave. Les petits loups, j'espère que ce match vous aura quand même plu. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui a pu changer par rapport à l'opus précédent. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment, malgré que c'est un gameplay ultra arcade. Je sais pas forcément bien joué. Si vous en voulez d'autres, vous le dites en commentaire. Ce sera fait avec grand plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!